Allez, j'en tape des Brésiliens, mais pas Neymar. Bale! Oui! Yes! Excusez-moi. Oh là 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 là, il vaut 1 million de crédits! Excellent! Excellent, Jean-Louis! Excellent! Oh putain, les gars! Je voulais l'acheter il y a 3 minutes! Yo tout le monde, c'est Ultramarine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un squad builder les gars. Donc on va partir sur une équipe BBVA. Donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction, dans cette petite intro, j'ai tapé Gareth Bale dans un pack les gars. Donc je suis extrêmement heureux. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. D'abord j'aimerais encore vous remercier encore une fois pour les 200 abonnés. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et donc on part directement avec le gardien. Donc, le gardien est boost cette semaine. Il s'agit de Diego Alves. Alves, acheté 67 500 crédits. J'ai fait deux matchs avec. Je l'ai trouvé très très bon. 90 de plongeon, 90 de réflexe, 77 de jeu à la main, 76 de dégagement. Ça se fait 18 de position. 90 de réflexe. Donc voilà, ça change de, des gardiens que j'ai pu tester auparavant. Mais voilà, je le trouve très très bon. Donc ça fait plaisir. Donc ici, on retrouve... Hop, Godin et Ramos. Donc Godin a acheté 262 000 crédits. J'ai fait 3 matchs avec, je l'ai trouvé très très bon. 69 de vitesse, 92 de défense, 86 de physique. C'est vraiment une dinguerie. Tout comme Ramos. Ramos 17 matchs avec, 79 de vitesse, 87 de défense, 82 de physique, 71 de passe. Deux monstres hein. Si vous pouvez faire cette charnière, faites-la parce que c'est vraiment... C'est vraiment... C'est indescriptible, faut que vous essayiez par vous-même. Ici on retrouve Daniel Alves. Donc Daniel Alves que j'ai eu dans un pack, mais il me semble qu'il tourne aux alentours de 30 000 crédits. Donc j'ai fait 3 matchs avec, je l'ai trouvé très bon. Dommage qu'il ait plus sa 4ème étoile de geste technique qu'il avait dans FIFA 14. Donc une carte très complète hein. 86 de vitesse, 83 de dribble, 70 de tir, 76 de défense, 79 de passe. Un faible 68 de physique, mais ce qui ne se ressent pas forcément en match. Donc rendement élevé faible. J'apprécie, j'aime beaucoup Daniel Alves, il est présent, dommage qu'il lui manque une étoile de geste technique. Jordi Alba, acheté 12 750 crédits, 12 matchs, 0 but, 0 passe D, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, rendement élevé moyen, 92 de vitesse, 81 de dribble, 78 de défense, 75 de passe, 76 de physique, voilà, il fait le taf, il est très bon. Rien à rajouter dessus. Donc ici, on retrouve notre milieu, hop, Kroos, Iniesta, et Modric. Donc Modric, premier détenteur aussi, il doit tourner aux alentours des 50 000 crédits, hein, on va aller voir. Non, listé comparé. Voilà, il est aux alentours des 40-50 000 crédits. Donc, 3 matchs, 1 but, 1 passe D, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Alors les gars, si vous pouvez le tester, essayez-le, il est excellent. 76 de vitesse, 89 de dribble, 74 de tir, 71 de défense, 85 de passe, 70 de physique. Rendement élevé moyen, il est excellent. Il est très présent au milieu de terrain. En plus, il a 4 étoiles de geste technique, donc ça fait toujours plaisir. Andrés Iniesta aussi dans un pack, donc 41 matchs avec, 2 buts, 6 passes D. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, rendement élevé moyen. Il est aux alentours de 70 000 crédits. 75 de vitesse, 91 de dribble, 72 de tir, 89 de passe. Typiquement, c'est le même joueur, c'est le même style de jeu que Modric, sauf que Modric est plus défensif et Iniesta se porte plus vers l'avant. Donc on a un milieu très complémentaire avec un Toni Kroos acheté 700 000 crédits, 4 matchs, 2 passes D, 5 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Rendement moyen. Lui, il va rester beaucoup au milieu pour ratisser les ballons, pour les envoyer. Donc on voit 92 de passe, 83 de tir, 86 de dribble, 110 de physique. Je le trouve excellent. Mais lent, hein, 59 de vitesse, c'est dommage. Donc je lui ai mis la carte ombre qui lui rajoute plus 3 de vitesse et plus 3 de défense. C'est les stats où il pêche un peu. Voilà, sinon très bon. Donc ici, hein, l'incontournable Neymar. 20 matchs, 9 buts, 9 passes décisives, 5 étoiles de mauvais pied, 5 étoiles de geste technique, 90 de vitesse, 80 de tir, 112 de passe, 92 de dribble. Rendement élevé moyen, je l'adore. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs de ce jeu que j'ai pu tester. Et voilà. AVD, on retrouve Bale qui est une mauvaise surprise.
Donc comme vous pouvez le voir, un premier détenteur, mais il vaut 1 400 000. 4 matchs, 0 but, 2 passes décisives, 94 de vitesse, 84 de dribble, 83 de tir, 83 de passe, 81 de physique, 3 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, rendement élevé, moyen. J'accroche pas, j'arrive pas à jouer avec, j'arrive pas à marquer avec. Et donc je trouve ça dommage parce que je suppose qu'avec des... avec certaines personnes il va être très bon, mais là moi je n'arrive vraiment pas à m'en servir. Et donc ici on retrouve Luis Suarez, pour moi le meilleur attaquant de ce jeu. Après j'ai pas testé Ronaldo et Messi, mais pour le moment j'ai testé Ibra, Agüero, et vraiment Suarez se détache fortement. 13 matchs, 21 buts, 2 passes décisives, 4 étoiles de MVP, 4 étoiles de geste technique. 83 de vitesse, 88 de dribble, 87 de tir, 79 de passe, 79 de physique, c'est un monstre. Donc prochainement un player review, vous aurez un player review sur, Monsieur Luis Suarez, à moins qu'il soit sorti avant. Donc là on est sur une équipe excessivement chère. Hein, lui c'est 1 million, 1, 2, 3, 4, ouais, on est sur du 4-5 millions de crédits. Donc voilà, c'est une équipe excessivement chère. Donc après vous pouvez bien sûr remplacer, vous pouvez remplacer ici Lopez par... par Casillas. Ici vous pouvez mettre Godin normal avec Piqué, hein. Donc hop, Piqué, hop hop hop, Godin, ok, enfin bref vous mettez Godin et ici vous mettez Kroos normal et l'équipe revient moins cher, il n'y a que le trio d'attaque qui est excessivement cher. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous voyez que j'ai eu un peu de chance dans les packs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier pour les 200 000, les deux, oh, je m'enflamme un peu pour les 200 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien les gars et peace.